Bonjour. Oui, ça fait longtemps. Et je tourne une vidéo dehors. Il fait beau, on va en profiter. Ok, il y a du soleil. Voilà. Bon, j'ai pas forcément les vêtements qui sont adaptés à cette température, mais on s'en bat les steaks. Oui, donc je disais, ça fait longtemps. Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. Oui, voilà, j'en ai déjà parlé. Je suis le youtubeur le plus irrégulier de la plateforme. Donc voilà, on va pas en reparler. Je vous fais une vidéo. Vous la suivez tranquillement. Et voilà, ou alors vous la suivez pas parce que vous n'avez pas vu mes vidéos, vous mettez pas de like, ou alors vous en mettez. Bref, on se retrouve pour une review sur des chaussures encore, des chaussures que j'ai depuis un mois et demi, mais j'avais la flemme de faire une vidéo dessus, du coup j'ai pas fait de vidéo. Donc ne soyez pas étonnés si elles sont un peu sales, mais vu que je prends assez soin de mes affaires, ça va, elles sont pas neuves, mais presque, voilà. Donc je vais vous montrer les Air Max 270 et je vais vous parler un peu de la paire. Ce que je peux lui reprocher, même s'il n'y a pas grand chose à reprocher. Donc voilà. Donc on peut déjà voir que la boîte n'est pas comme d'habitude. Chez Nike, d'habitude, elle est rouge avec le logo. Là, on a le 270 et on a également plein de petits logos dessus de Nike Air. Donc je sais pas si on les voit bien. Je pense pas, bon je vous les montre, je vais vous les montrer. Voilà, je sais toujours pas si vous les voyez bien, mais en tout cas ils sont présents. Donc cette boîte est blanche, voilà, toute blanche, tranquillement. Après bah rien de plus, hein, voilà. Et maintenant ce qu'on attend c'est les chaussures, mais attention, cette paire est trouvable partout, absolument partout. Mais là j'ai en ma possession un coloris plus rare qui n'est pas disponible en magasin, il me semble. En tout cas je ne les ai jamais vus en magasin. C'est mon chat, ne vous inquiétez pas. Ah. Je suis désolé si la caméra tremble un peu, c'est juste que j'ai mon trépied qui n'est pas hyper stable. Il est même un peu bancal, mais bon. Donc on va déballer, c'est parti. Tac, voilà. Donc la Air Max 270 Dusty Cactus, c'est le nom du coloris. Ça rappelle le coloris de la Air Max 93. Il y a une 93 qui est sortie comme ça. Donc c'est un peu le même coloris avec ce petit bleu là. Donc je vais faire un tour de la paire. Voilà. Donc on voit qu'elle est un peu abîmée hein, vu que je l'ai déjà portée forcément. On a ici la bulle d'air qui est assez mastoc. Voilà. Là on a une petite inscription R sur le talon. Ici on a le logo Nike avec ici 270, enfin le R270. Sur la languette, toujours le R270 avec le logo Nike. Elle est en. C'est une chaussure qui est faite en mesh. Donc j'avais un truc, hein, désolé. Pour ceux qui ne connaissent pas le mesh, bah, c'est une matière. Voilà. Ici, sur la face avant, enfin sur le côté, on a un petit logo Nike. Voilà. C'est pas imprimé dans le. Dans le. Comment dire. Dans le mesh. Enfin, c'est un petit bout de plastique, on dirait qu'ils ont rajouté au-dessus. On voit vu qu'il brille un peu. Voilà. Ici, on a le Max, comme mon prénom. Enfin, presque. Oh là là, cette paire, elle était pour moi. Putain, on va calmer le papier. Donc là. R270 encore, il y a vraiment beaucoup d'inscriptions sur cette paire. Et à l'intérieur, je vais vous enlever les lacets. On a plein d'inscriptions, je crois que vous les voyez pas, mais on a vraiment plein d'inscriptions de Air Max différentes. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc cette paire est vraiment jolie. Et ce coloris est plus rare, car on pouvait le commander, il me semble, le jour de sa sortie, c'était un jeudi. Moi je voulais ce coloris là, donc elle sortait à 9h, je suis rentré des cours, il était 17h environ, il restait déjà plus beaucoup de paires, heureusement il restait ma pointure, donc chose du 41, donc j'ai eu de la chance, voilà, mais actuellement elles ne sont plus disponibles, il me semble, hein. Après je les ai jamais vues en magasin, mais c'est possible de les voir, en tout cas pas ce coloris, la paire n'est pas rare, mais ce coloris est plus rare, et moi personnellement j'aime beaucoup avoir un coloris que les autres n'ont pas, c'est pour ça que celle-ci m'a plu. Et ce que je trouve dommage, c'est que cette paire soit vraiment disponible partout. Je la voyais plus comme une paire un peu plus rare qu'on puisse commander seulement sur internet,
etc. Pourquoi j'ai dit etc, je ne sais pas trop. Bref, donc cette paire n'est pas très rare. Oula, il y a une bête chelou. Hop, elle n'est pas rare et je trouve ça assez dommage. Je la voyais un peu plus premium, entre guillemets, vu qu'elle coûte quand même 150 euros, ce qui est pas rien. Mais voilà. Je vois quand même pas mal de personnes la porter, hein, cette paire. Donc voilà. Pas cette couleur, pas ce coloris, je le répète, encore. Mais d'autres coloris disponibles en magasin qui sont tout aussi jolis. Hein, mais... j'aime moins. Donc maintenant, ce que vous attendez, c'est de les voir au pied. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les Nike Air Max 270. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou encore à partager si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.